Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment déverrouiller un iPhone qui est désactivé ou alors tout simplement bloqué sur le mot de passe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment ça se passe le nouveau bypass avec les iPhone 5S jusqu'à iPhone X, iOS 9 jusqu'à iOS 15.4. Parce que là, actuellement, oui, j'espère que vous avez bien compris, 15.4. Actuellement, nous avons un iPhone 6S avec la version iOS 15.4. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire le bypass pour les iOS 15.4 bloqués sur le mot de passe ou alors tout simplement désactivé. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne plus manquer mes prochaines vidéos. Ce que vous aurez besoin pour cette vidéo, c'est tout simplement un Mac. Si vous avez votre Mac, alors c'est cool parce que aujourd'hui je vais vous montrer comment ça se passe sur votre Mac OS. Donc vous aurez besoin d'une application. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur à la description de cette vidéo et vous allez télécharger l'application Telegram. Donc si vous n'avez pas Telegram, il vous faut absolument Telegram. Et dans Telegram, vous aurez besoin d'installer certains trucs dans votre appareil. Donc vous allez installer dans Terminal. Donc voilà, Terminal. Vous allez ouvrir votre terminal et ici maintenant vous allez ouvrir Telegram. Voilà les instructions. Vous allez installer l'outil Homebrew. Vous allez installer Homebrew. Ceci va vous permettre de résoudre votre problème sur votre iPhone sans erreur. Donc voilà. Donc on va juste copier ça et mettre ici. Moi j'ai déjà tout fait. Donc j'ai déjà tout fait ça. Donc suivez les instructions. Si ça ne marche pas, vous écrivez Brew Doctor et là vous suivez les instructions afin d'installer Room, Lib, USB et toute autre utilité que vous aurez besoin pour ce tutoriel. Donc, ok, on va maintenant débuter le tutoriel en question. Vous aurez besoin de deux applications. Vous aurez besoin de l'application HFZ Activator. Donc, là, c'est pour les passcodes iOS 15. Donc, vous aurez besoin de cette application et vous aurez aussi besoin du patch checker. Ne vous inquiétez pas parce que à la description de cette vidéo, il y a tout. Il y a toutes les applications que vous aurez besoin. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur Install. Donc, vous allez cliquer pour installer. Et si vous recevez cette erreur disant impossible d'ouvrir l'application, c'est très simple. Vous allez venir tout simplement dans les paramètres. Et ensuite, vous allez venir dans Sécurité et vous allez ouvrir quand même. Donc, je ne peux pas vous montrer cela parce que c'est confidentiel. Désolé. Donc, on va maintenant venir ouvrir l'application. Voici l'interface de notre application. Donc, la dernière version, il va falloir télécharger. Donc, je suis obligé d'installer comme je vous l'ai dit. Donc, on va venir dans paramètres et préférences. Nous allons venir dans sécurité. Et dans sécurité, on va cliquer sur ouvrir quand même et cliquer sur ouvrir. Et une fois ici, maintenant, il va falloir entrer votre mot de passe, le mot de passe de votre Mac. Ensuite, cliquer sur entrer afin d'installer cette application. Voilà, c'est en train de s'installer. Donc, il nous faut un câble USB. Il nous faut notre câble USB comme ceci. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va cliquer sur OK. On va sortir. Maintenant, il va falloir ouvrir ces deux applications. Donc, on va ouvrir l'application Patch. Le lien est à la description de cette vidéo. Et on va aussi ouvrir l'application HFZ. Donc, on va ouvrir l'application ici dans les applications. Et voilà, nous allons ouvrir l'application comme ceci. Et voilà l'interface des deux applications. Maintenant, il va falloir connecter notre iPhone. Donc, si on connecte l'iPhone en mode normal, ça ne peut pas marcher. Si vous connectez votre câble, ça va vibrer. Donc, il va falloir mettre l'iPhone en mode récupération. Donc, si vous ne connaissez pas comment mettre un iPhone en mode récupération, vérifiez sur Google. Alors, vous saurez comment mettre votre propre iPhone en mode récupération. Donc, j'ai dit cette méthode, ça marche à partir de iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Et ça marche aussi pour les iOS 15.4, donc la dernière version iOS 15.4. Actuellement, mon iPhone c'est iOS 15.4. Maintenant, on va cliquer sur Start pour mettre l'iPhone en mode DFU afin qu'elle puisse être détectée. C'est important d'utiliser l'application Patch avant de le faire. Donc, maintenant, on va faire comme ceci. On va effectuer les manipulations afin de mettre l'iPhone en mode
DFU. Donc j'ai raté. Je vais recommencer directement. Application. Voilà, maintenant nous sommes en mode DFU. Maintenant on va cliquer sur boot et cliquer sur ça. Si vous recevez cette erreur, vous cliquez sur OK, vous appuyez ici et vous ouvrez encore le patch de CheckRun. Vous allez recevoir ce message, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas la première fois que vous allez essayer, ça ne va pas marcher la première fois, donc il faut essayer plusieurs fois. On va encore cliquer sur boot. Si vous recevez cette erreur, vous réessayez encore plusieurs fois. Voilà, comme vous avez vu, on dit successfully exploited. On va cliquer sur OK. Si on reçoit cette erreur, si on va tout simplement cliquer pour rouvrir l'application. Donc maintenant voici comment ça va se passer. Nous allons maintenant venir ici. Donc il va falloir enregistrer votre numéro de série avant de faire tout type d'action avec cette application. Et comment enregistrer, il va falloir copier votre ECID et vous m'envoyez sur WhatsApp. Donc vous allez me contacter sur WhatsApp afin d'enregistrer votre iPhone ou alors votre iPad. Ensuite on va encore cliquer sur boot et vous allez voir que ça va commencer à charger. Voilà, comme vous avez vu, c'est presque terminé. Je tiens à vous rappeler que ça ne marche pas une seule fois, donc il va falloir patienter plusieurs fois, dans plusieurs minutes avant que l'extraction soit effectuée. Donc maintenant on va patienter jusqu'à ce qu'on reçoive un message de l'application. Voilà, lorsque vous allez recevoir le message connected, on va maintenant cliquer maintenant ici, puis on va cliquer sur backup afin de sauvegarder les fichiers d'activation de notre iPhone. S'il vous plaît, laissez déjà un like sur cette vidéo et surtout partagez cette vidéo avec vos amis. On va cliquer sur OK. Donc là, le backup a déjà été fait. Il va maintenant falloir vérifier le fichier du backup. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà le fichier du backup de notre iPhone aujourd'hui. Voilà les fichiers de backup. Attendez, je vais vérifier pour vous montrer si c'est effectivement ça. Donc, il va falloir d'abord vérifier les fichiers d'activation. Il faut avoir tous ces trois trucs-ci. Donc, vous voyez, il y a ceci. Donc, voilà un peu les fichiers d'activation de notre iPhone. Donc, on va maintenant cliquer ici. Maintenant, on va maintenant appuyer sur Delete Account. Non, le téléphone va redémarrer. Attendons voir un peu. J'ai Delete le compte et maintenant je vais appuyer là pour. On va patienter. Le téléphone est en train de redémarrer. S'il vous plaît, laissez déjà un like sur cette vidéo, partagez la vidéo avec vos amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Donc là, comme vous pouvez voir, ça n'a pas marché parce que je n'ai pas bien fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va restaurer notre iPhone puisque nous avons déjà le fichier d'activation. Donc voilà les fichiers d'activation de notre iPhone. On va restaurer notre iPhone. Donc comment restaurer? C'est très simple. On va mettre l'iPhone en mode récupération. Et on va formater. Vous pouvez aussi formater avec l'application 3U Tools. Donc maintenant je vais aller et je vais ouvrir mon iPhone. Ici on va chercher notre iPhone et ici on va restaurer l'iPhone. Donc si vous connaissez pas comment restaurer un iPhone sur Mac, alors à la description de cette vidéo il y a une autre vidéo qui va vous permettre de restaurer votre iPhone.
sur votre macOS. Donc là, je vais flasher la dernière version iOS 15.4. Donc la dernière version actuelle, c'est 15.4. Donc je vais flasher ça maintenant. On se retrouve après le flash. Voilà, la restauration de notre iPhone est terminée. Maintenant, l'iPhone va redémarrer, comme vous pouvez voir là. Et je vais vous montrer qu'il y a un compte iCloud dans cet iPhone. Et voilà, notre iPhone vient de redémarrer. Et voici, comme vous pouvez voir le message, ça dit quoi? Le téléphone est bloqué, vous voyez? C'est bloqué comme je vous l'ai dit. Nous allons maintenant encore aller et ouvrir notre application. Donc voilà un peu l'interface de l'application. On va encore mettre l'iPhone en mode DFU. Comme vous avez vu, c'est déjà connecté. Si on appuie là, ça ne va pas marcher. Il faut mettre l'iPhone et recommencer encore comme au début de cette vidéo. Donc on va fermer l'application, puis on va ouvrir. Et on va ouvrir aussi l'application du patch. Et ici, il va falloir tout simplement suivre les étapes afin de mettre notre iPhone en mode DFU. Donc, on va mettre l'iPhone en mode récupération. Une fois en mode récupération, il va falloir mettre en mode DFU avec l'application du patch comme au début. Voici, maintenant on va cliquer encore sur boot. Bon, là checkran a craché, ça ne fait rien. Maintenant on va cliquer sur boot. On va encore cliquer comme ceci. S'il vous plaît, laissez déjà un like sur cette vidéo. Si vous rencontrez un problème, laissez-le dans les commentaires. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis. Ça marche avec iOS 15, comme vous allez voir tout de suite. On va encore cliquer sur OK. Ouvrir l'application. Tout est OK. Maintenant, on va patienter jusqu'à ce que le boot s'installe encore. Et voilà. On va maintenant cliquer sur OK. Et ici, on va cliquer sur SSH check. OK. Une fois terminé, on va cliquer sur OK. Et ici, on va appuyer sur Restore. Là, c'est en train de remettre les fichiers d'activation de notre iPhone. On a dit Restore, OK. On va cliquer sur OK. Et là, le téléphone va redémarrer comme vous pouvez voir là actuellement. Donc, le téléphone va redémarrer et voyons voir si ça a marché ou pas. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va appuyer sur le bouton Home et essayons un peu d'activer le téléphone. Et voilà, vous avez vu, il y a suivant. Donc, on va appuyer sur suivant et on va appuyer comme ça. Et vous allez voir que notre téléphone sera activé. iOS 15 activé. Laissez déjà un like sur cette vidéo et partagez la vidéo avec vos amis. Comme vous pouvez voir, notre iPhone s'active normalement. Laissez un like sur cette vidéo et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer dans mes prochaines vidéos. Regardez, tout fonctionne et si je mets ma carte SIM, ça va marcher.
à merveille. Et voilà, ok. Maintenant, nous allons mettre la carte SIM. Je vais vous montrer que ça marche très bien. Si je mets la carte SIM comme ceci, vous allez voir que la SIM fonctionne très très bien même. Donc, on dit no service, mais si je mets en mode avion, ensuite je reviens, vous allez voir que le réseau va fonctionner très bien sur notre iPhone iOS 15. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Enregistrez votre numéro de série sur WhatsApp. Donc, contactez-moi sur WhatsApp afin d'enregistrer votre numéro de série. Vous pourrez mettre votre compte iCloud dans le téléphone. Donc, attendez, je vais vérifier sur le site de IPSW. Là, maintenant, si on vient dans l'iPhone et on copie le numéro de série comme ceci. Puis, on va se connecter au Wi-Fi. Je vais vous montrer que il y a toujours le compte iCloud dans cet iPhone-ci. Voilà, le Wi-Fi est connecté. Maintenant, on va aller sur le site et je vais vous montrer que cet iPhone-ci a toujours le compte iCloud à l'intérieur. Et voici maintenant le site. On va venir sur iCloud Check. On va coller notre numéro de série. Comme vous avez vu, l'iPhone 6S. Et voilà, il y a un compte iCloud, mais par contre, on utilise normalement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez rencontré un problème, laissez-le dans les commentaires. Et surtout, likez et partagez cette vidéo au maximum. Retrouvons-nous sur WhatsApp pour l'enregistrement de vos numéros de série. On se retrouve juste après. Chaque...